Okay, so today we want to look at Laplace, the determinant qualificative. Simply, we want to look at the place of the adjectives, how adjectives are positioned in sentences. That is what we want to look at today. So by the end of this lesson, students will be able to use adjectives correctly in sentences. À la fin de la leçon, l'apprenant sera capable d'utiliser les adjectifs correctement. La place d'adjectifs est variable. La plupart des adjectifs suivants se placent le plus souvent avant le nom propre ou le nom commun auquel il se rapporte. En général, l'adjectif épithète, bref ou court, se place de préférence avant le nom. The place of adjectives vary in French. Generally, adjectives are placed after the noun, but specific adjectives are placed before the noun in some circumstances. So, short adjectives normally come before the noun they describe. Simply, adjectives that are short in length, they come before the noun they describe. These adjectives that usually come before the noun in French are beau, bon, cher, gentil, gros, haut, joli, long, petit, pire, vieux, va, vilain, pauvre, sœur, mauvais, méchant, moindre, ancien. Par exemple, je vois un beau village sur la colline. Je vois un beau village sur la colline. Donc, l'adjectif beau ici vient avant le nom village. On peut voir aussi que beau est court. Est court. Donc, oui, c'est beau over here comes before the noun village because it's also among the short vowels. So, je vois un beau village sur la colline. J'ai une jolie maison à haut. J'ai une jolie maison à haut. Donc, l'adjectif ici est joli. Et le nom maison. Donc, l'adjectif vient avant le nom. L'adjectif vient avant le nom. Kofi est en mauvaise santé. Donc, l'adjectif mauvais vient avant le nom santé. Mes chers enfants, cher vient avant le nom enfant. Une autre voix, autre vient avant le nom voix. Une belle fille, belle vient avant le nom fille. So all these adjectives that we have looked at in this sentence construction
or in this simple phrase, we realize that the adjective comes before the noun. So as we have already said in the introduction, some adjectives, they come before the noun. And those adjectives that come before the noun, they are usually short. That means in length. They are short. They are not lengthy. Le déterminant qualificatif se rapporte aux couleurs, aux notions géographiques, ethniques, aux nationalités, aux formes, ainsi que les participes employés comme adjectifs. Il se place normalement après le nom. Adjectives of color, geographic notion, ethnic, nationality, and participle, which are used as adjectives, normally come after the noun they describe. Moreover, long adjectives are normally placed after the noun. Long adjectives are normally placed after the noun. L'Afrique noire est bénie. L'Afrique noire est bénie par Dieu. L'Afrique noire est bénie par Dieu. Africa is blessed by God. L'Afrique noire est bénie par Dieu. So the adjective we have here is noir. And noir means what? Black. So it portrays color. So all that we are saying is that adjectives that portray color, adjectives that denote geographic notion, ethnic or nationality, and then participle, which are used as adjectives in French, usually come after the noun they describe. So you realize that Afrique noire talks about what? Africa. Africa. L'Afrique noire est bénie par Dieu. Le chat a une tête ronde. Le chat a une tête ronde. Round talks about the geographic nature. Round, round. Donc, c'est pourquoi l'adjectif vient après le nom. C'est pourquoi l'adjectif vient après le nom. Donc, le chat a une tête ronde. You realize that ronde, which is the adjective, comes after the noun tête. Je vois une dame chamane. Je vois une dame chamane. I've seen a charming lady. So, je vois une dame, dame. And then the adjective over here is what? Chamane. So shaman comes after the noun because it is portraying the beauty of what? The woman. Je vois une dame shaman. Le Burkina Faso est un pays francophone. Le Burkina Faso est un pays francophone. Donc, francophone, which is the adjective, which is talking about its language. The word francophone is language. So you realize that it comes after
the now pays Francophone, the Burkina Faso. So over here, talking about nationality, nationality. Etiquette and village Ghanaian. It also forms that for, it also comes under that category. Etiquette and village Ghanaian. So Ghanaian comes after the noun village. Le drapeau ghanéen a des couleurs rouge, jaune et vert, avec une étoile dans la jaune. The flag of Ghana has the color red, yellow, and green, with a star in the yellow. Le drapeau ghanéen a des couleurs rouge, jaune et vert, avec une étoile dans la jaune. Un étudiant intelligent, une émission distinguée, meaning a distinguished event. So, these adjectives that we have just looked at, they come after the nouns. And I say adjectives that portray color, geographic notion, ethnic, nationality, and then participle, which are used as adjectives, normally come after the noun they describe. On place toujours le déterminant qualificatif après le nom quand il est suivi d'un complément. On place toujours le déterminant qualificatif après le nom quand il est suivi d'un complément. Adjectif always come after the noun they describe when they are followed by a compliment. Adjectives come after the noun when they are followed by a compliment. For example, cet homme fier de ses enfants parle orgueilleusement. Cet homme fier de ses enfants parle orgueilleusement. Cet homme fier de ses enfants parle orgueilleusement. Cette femme déçue dans son mariage parle désespérément. Cette femme déçue dans son mariage parle désespérément. Un garçon content de sa réussite montre ses résultats à son papa. Un garçon content de sa réussite montre ses résultats à son papa. So, when you look at the first one, c'est Tom fier. Hein? So, fier over here comes after the adjective because of the compliment. Because of the compliment. Par orgueilleusement. Because of the compliment. Compliments are added views or descriptions given to nouns. So, cette femme décide dans son mariage par désespérément. Un garçon content de sa réussite montre ses résultats à son papa. Ses enfants frappent de peur, crient au secours. Ses enfants frappent de peur, crient au secours. Le commerçant arrête pas les douaniers
doit payer une amende. Le commerçant arrêté par les douaniers doit payer une amende. La fille intimidée par sa maîtresse s'évader de la maison. La fille intimidée par sa maîtresse s'évader de la maison. So in brief, adjectives when they are followed. On place toujours le déterminant qualificatif après le nom quand il suivit d'un complément. Adjectives always come after the noun they describe when they are followed by a compliment. Exemple. Cet homme fier de ses enfants parle orgueilleusement. Cet homme fier de ses enfants parle orgueilleusement. The man that is proud of his children talks proudly. Cette femme déçue dans son mariage parle désespérément. Cette femme déçue dans son mariage parle désespérément. Un garçon content de sa réussite montre ses résultats à son papa. Ses enfants frappent de peur, crient au secours. Ses enfants frappent de peur, crient au secours. Le commerçant arrête par les douaniers doit payer une amende. Le commerçant arrête par les douaniers doit payer une amende. La fille intimidée par sa maîtresse s'évader de la maison. S'évader de la maison. So all that we are saying over here is that adjectives comes after the noun when they are followed by a complement. When they are followed by a complement. When there are other words or statements that would describe the noun they follow, you realize that they always come after the noun. So, on place toujours le déterminant qualificatif après le nom quand il suivit d'un complément. Quand il suivit d'un complément. Les déterminants qualificatifs polysyllabiques se placent le plus souvent après le nom. Les déterminants qualificatifs polysyllabiques se placent le plus souvent après le nom. Polysyllabic adjectives normally or most often come after the noun they describe. Polysyllabic adjectives normally or most often come after the noun they describe. When we say polysyllabic, you see words are mentioned. When the word is pronounced, you realize that it is in syllables. Syllables. Qualificatif. Qualificatif. So you realize that the word qualificatif has five syllables. Déterminant. Déterminant. The word déterminant has four syllables. So all that we are saying is that adjectives that have more than two syllables and above, they always come after the noun they qualify. They always come after the noun they qualify. So polysyllabic means it has more than two syllables. It has more than two syllables. Donc,
Les déterminants qualificatifs polysyllabiques se placent le plus souvent après le nom. Se placent le plus souvent après le nom. Polysyllabic adjectives normally or most often come after the noun they describe. Example. Kofi est un garçon intelligent. Kofi est un garçon intelligent. So the adjective intelligent, you realize that intelligent. Intelligent. It has four syllables. So in view of this, it still comes back to the principle that adjectives that are lengthy, they always come after the noun they describe. They always come after the noun they describe. Donc, Kofi est un garçon intelligent. Cette année, on a des événements extraordinaires. On a des événements extraordinaires. Frida est une fille malheureuse. Frida est une fille malheureuse. Donc, malheureuse vient avant le nom fille. So, malheureuse comes after the noun fille. Because the word malheureux is a polysyllabic adjective. The word malheureux is a polysyllabic adjective. Le professeur pose une question importante. Le professeur pose une question importante. Le professeur pose une question importante. So, you realize that important has more than two syllables. That is why the adjective important comes after the noun question. Question. C'est pourquoi l'important vient après le nom question. L'important vient après le nom question. J'écoute une histoire intéressante. J'écoute une histoire intéressante. Ce monsieur donne un discours ennuyeux. Ce monsieur donne un discours ennuyeux. Ennuyeux has more than two syllables. That's why it comes after the noun discours. J'ai une maison magnifique. J'ai une maison magnifique. So the adjective magnifique is a polysyllabic adjective. That is why it comes after the noun maison. Monsieur Titano a un comportement intolérable. Monsieur Titano a un comportement intolérable. So you realize that intolérable vient après le nom comportement. Il fait une chaleur insupportable aujourd'hui. Il fait une chaleur insupportable aujourd'hui. Like the heat today is unbearable, insupportable, insupportable. So, to come back, les déterminants qualificatifs polysyllabiques se placent le plus souvent après le nom. Polysyllabic adjectives normally or most often come after the noun they describe.
deux ou plusieurs déterminants qualificatifs qui s'accordent avec un même nom se suivent sans virgule ni conjonction de coordination. Deux ou plusieurs déterminants qualificatifs qui s'accordent avec un même nom se suivent sans virgule ni conjonction de coordination. When two or more adjectives are used together to describe a noun, they follow one another without comma and coordinating conjunction. They follow one another without comma and coordinating conjunction. Example: Kofi a un terrible vieil ami. Kofi a un terrible vieil ami. So over here you realize that these are two adjectives. These are two adjectives. They follow one another without a comma or without a coordinating conjunction. So those adjectives that follow each other without the coordinating conjunction, without the coordinating conjunction, comes before the noun, the qualifier. Kofi a un terrible vieil ami. Tino est un méchant petit garçon. Tino est un méchant petit garçon. Cet homme est un vieux ancien camarade de mon père. Cet homme est un vieux ancien camarade de mon père. Ninette est une jeune. Ninette est une jolie petite fille. Ninette est une jolie petite fille. Monsieur Amouzou un grand gentil homme. Monsieur Amouzou, un grand gentil homme. Monsieur Amouzou, un grand gentil homme. Clara est une bonne nouvelle élève. Clara est une bonne nouvelle élève. Coco est un mauvais nouvel étudiant. Coco est un mauvais nouvel étudiant. Mon ami est une belle jeune fille. Mon ami est une belle jeune fille. Seigneur est un beau jeune garçon. Seigneur est un beau jeune garçon. So, as we have looked at, when two or more adjectives are used together to describe a noun, they follow one another without a comma or a coordinating conjunction. In French, when two or more adjectives are used together to describe a noun, they follow one another without a comma and a coordinating conjunction. Deux ou plusieurs déterminants qualificatifs qui s'accordent avec un même nom se suivent sans virgule ni conjonction de coordination. Ni conjonction de coordination. Quand plusieurs déterminants qualificatifs se rapportent à un même nom, les uns précèdent et les autres le suivent. Quand plusieurs déterminants qualificatifs se rapportent à un même nom,
les uns précèdent et les autres le suivent. In some cases, adjectives describing the same noun in French, one comes before the noun and the other after it. In some cases, when adjectives describe the same noun, one comes before the noun and the other comes after it. Par exemple, Dogan a un vieux chat noir. Dogan a un vieux chat noir. Dogan has an old cat that is black. Dogan a un vieux chat noir. Cet homme a un petit pantalon rouge. Cet homme a un petit pantalon rouge. So you realize that the adjective, one comes before the noun and the other after it. We look at the first one, vieux comes before the noun and the other comes after it. So in cases where adjectives are describing the same noun, one comes before the noun and the other comes after it. J'aime porter une large chemise raillée. J'aime porter une large chemise raillée. J'aime porter une large chemise raillée. Ma mère prépare un bon repas délicieux. Ma mère prépare un bon repas délicieux. Donc, bon, délicieux, are describing repas, the food. So one comes before the noun and the other one comes after it. Ma mère prépare un bon repas délicieux. As-tu acheté une grosse voiture moderne? As-tu acheté une grosse voiture moderne? J'habite un beau quartier calme. J'habite un beau quartier calme. Quand plusieurs déterminants qualificatifs se rapportent à un même nom, les uns précèdent et les autres le suivent. Cases where adjectives describe the same noun, one comes before the noun and the other one comes after it. One comes before the noun and the other one comes after it. One comes before the noun and the other one comes after it. We continue. On continue. Le sens de certains déterminants qualificatifs change selon leur place. Le sens de certains déterminants qualificatifs change selon leur place. The meaning of some adjectives change according to their place in relation to the noun they describe in the sentence. The meaning of some adjectives change according to their place in relation to the noun they describe in a sentence. For example, ma propre maison, donc, ma propre maison, propre comes before maison. So, ma propre maison en anglais is my own house. My own house. Ma propre maison
means my own house. Ma maison propre. Ma maison propre means my clean house. So all that we are saying is that the position of the adjective, the position of the adjective changes meaning of the sentence. The position of the adjective changes meaning of the sentence. Ma propre maison, my own house, ma maison propre, my clean house. Une sage femme means a midwife. Une sage femme means a midwife. Une femme sage means a wise woman. A wise woman. Une grosse femme, a fat woman. Une femme grosse means a pregnant woman. So when you are positioning your adjective, you should be very careful so as not to change meaning. The intention of what you are saying, the what you actually want to communicate, you need to pay particular attention as to where to place your adjectives so that the meaning will be clear. Donc, une femme sage, a wise woman. Une grosse femme, a fat woman. Une femme grosse, a pregnant woman. Un brave homme means a gentleman. Un homme brave means a courageous man. Un homme brave, a courageous man. Mon cher livre, my beloved book, my beloved book. Un livre cher, an expensive book. Un livre cher, expensive book. Un pauvre homme, a pity person or a pity man. Un homme pauvre, a poor person or a poor man. So in brief, we have looked at how to place adjectives. We say adjectives are placed before the noun, while some are placed after the noun. Adjectives are placed before the noun, while some are placed after the noun. Those adjectives that are placed before the noun are usually short. They are usually short. Those that are placed after the noun are usually lengthy. We also look at other adjectives. When two or more adjectives are describing the same thing, they are closely packed and they come before the noun that they qualify. They come before the noun that they qualify. We also look at adjectives which are placed before the noun and after the noun. Over here, when the adjectives are describing the same thing, one comes before the noun and the other one comes after the noun. An adjective that has complement, they always come after the noun that they qualify. They come after the noun that they qualify. Adjectives that also have
More than two syllables in it, they also come after the noun that they qualify. In brief, that is the placement of adjectives that we have looked at. The placement of adjectives that we have looked at. Thank you. Any question? Hello? Hello? Hi. Yeah. Any question? No, sir. No. I saw somebody's hand up. Right, like the person, yeah. Anjona. 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 Hello? Say. Yeah, you raised up your hand. Say. Yeah. Says because you said if we can hear you, we should raise up our hands. That's why I raised up my hand. Oh, okay. I hope all that we have gone through now is understood. I will make a slide available. Say please, yes. Okay, I'll make a slide available to you so that you will be going through them. I will be coming to campus and I will do that. That's it. Okay, sir.